Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Cube à l'air. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau Place Bellecour à Lyon. On est curieux de savoir si vous êtes sortis cet été, si vous êtes allé faire des festivals, des concerts. Let's go! Tiens, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et vous savez quoi? On va se faire un petit échange de procédés. Je prends des plaquettes, vous répondez aux questions. Ça me va, faites ceci. Ça vous va? On va parler musique. Donc cet été, est-ce que vous avez eu l'occasion de sortir un petit peu, de faire des festivals, des concerts, des choses comme ça? Cette année beaucoup moins quand même, les autres beaucoup plus, mais cette année c'était trop compliqué et puis j'avais pas trop le temps. Non, moi j'ai pas fait, non. Non, pas du tout. J'en ai pas fait. Non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion. Et alors, pourquoi? Parce que je suis beaucoup partie en vacances et c'était pas de l'occasion, n'était pas là quoi. Pas ici. On a passé 5 semaines en Italie donc... Et là-bas non plus, vous avez pas trouvé de trucs à faire, à sortir? Ah non, on était en stage. Moi, parce que je sais pas, c'est peut-être plus de mon âge. Pas moi. Et toi? Pas vraiment spécial quelque chose, mais pour exemple aujourd'hui, nous pensons d'y aller à Sucre. Apparemment, la musique, elle va pas être très bonne aujourd'hui. Quelque chose à propos de reggaeton, et lui, il est colombien, il en a marre déjà. Moi, je suis espagnol, moi aussi, j'en ai marre. Donc, si on y va, espérons trouver autre chose, quoi. Si, je suis allée voir Grand Corps Malade, qui était reporté pour la 3e fois. Et alors, du coup, moi, la question, c'est, du coup, apparemment, vous sortez pas mal quand même. Est-ce que cet été, vous avez l'occasion de faire des festivals, des concerts, des choses comme ça, de revivre un petit peu? Alors, moi, j'ai tenté, nombreuses fois, surtout à l'étranger, en Hollande. Et à chaque fois, je me suis fait avoir avec une annulation une semaine avant. Mais c'est très difficile. Donc, ce soir, on tente, mais... Ah, moi, j'ai rien fait du tout, c'est-à-dire. Rien du tout. Et alors, pourquoi? J'avais d'autres choses à faire. Moi, je sors plus trop, c'est peu fini, ce temps-là. Et donc c'est plutôt toi qui sors, ouais, du coup. Ouais, moi je sors grave, mais là tu vois c'est un peu difficile en ce moment là. T'as réussi quand même à faire 2-3 petits événements cet été pour... En vrai, pas encore. J'ai beaucoup de collègues chez Guetapan qui sont allés faire des événements, ils ont eu bien de la chance, ils ont créé Creamfields bientôt, ils sont allés un peu sur Toulouse, mais là moi pour l'instant rien quoi. Rien parce que soit ça saute, soit bon niveau timing c'est pas l'idéal quoi. Et alors vous connaissez le nom de festival, il y a des choses que vous avez en tête que vous voulez faire? J'ai déjà fait les Jardins du Michel à Nancy. Okay. Je sais pas si vous connaissez. Et bon, on fera les recherches, on va regarder. Ah bah je vous conseille, c'est vraiment pas mal quoi. Et sinon, ouais, beaucoup de concerts en plein air, la fête de la musique incontournable, des choses comme ça quoi. Un peu trucs locaux de village, j'aime bien. Fest. Ouais, le Hellfest, clairement le Hellfest. J'en avais parlé avec un ami, ne serait-ce qu'avant-hier, parce qu'il a déjà fait le Hellfest, et moi c'est un truc qui me chauffe beaucoup, et il m'a dit, bah en vrai si tu veux, à l'année 2022, on y va ensemble et c'est parti. Pas les gros festivals de trance et tout, ça c'est sûr, mais je sais pas. Là j'ai vu que le Hellfest il durait une semaine l'année pro, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Sinon il y a d'autres trucs qui peuvent être sympas. Il y a Musilla que j'ai vu qui commençait à faire des trucs vachement variés, donc ça a l'air vachement intéressant. Mais sinon je suis pas assez l'actualité, je pense. Déjà les Nuits de Fourvière à Lyon, c'est hyper sympa l'été. Je sais que ça avait rouvert cette année, mais du coup les billets étaient tous pris en avance. Mais ouais, des trucs comme ça en plein air l'été, sympa. Ou alors les salles de concert, mais à Paris, dans les petites salles sympas. Petit cabaret, les trucs un peu. Voilà, trucs comme ça. Ou c'est plutôt lui, les festivals. Ah, mon préféré, c'est les techno, minimal aussi, mais l'électronique, un peu la résistance de l'électronique, pas les très commerciales. Alors ce serait quoi la prochaine soirée de rêve du coup pour toi? C'est quoi que t'attends le truc là? Je vais être très honnête, c'est un truc de niche, c'est une grosse soirée Gearbox en Hollande avec du bon Pip Kicks, du 200 BPM, des trucs très intelligents où le QI divise par 10. C'est vraiment ça ce que je vois. C'est validé. Personnellement, voilà. C'est validé, voilà, c'est lui qui a gagné. Je sais pas s'il y avait un truc à gagner, mais il l'a gagné, c'est sûr, c'est maintenant, c'est tout de suite. Bah vas-y, donne-nous ton festival de rêve, quel style? On est chaud, non? Ils sont tous chauds à la maison, ils attendent. Je sais pas, un festival sur plusieurs jours et en fonction, il y a plusieurs goûts, en fonction des jours où il y a plusieurs scènes et pour chaque scène. Quel style tu voudrais? Je sais pas, il y aurait du rock, de la pop, de l'électro. Donc pour tout le monde, toi tu donnes pour tout le monde, mais c'est cool ça. Comme ça tu rencontres plein de gens différents aussi. Mais écoutez, on va chercher un promoteur, on va taffer le projet, puis on te redit. Super. Si t'es toujours chaud, nous on y va. Avec plaisir. Ça te manque pas un petit peu? Ah bah si, carrément. C'est sûr que c'était bien de se balader en ville, une bière à la main et avec les petits concerts de rue, mais bon. De ouf, je travaille dans ça, donc ça fait 18 mois que j'attends et que je range mon frein. Bah c'est vraiment ouais, les ambiances et puis la liberté d'y aller sans masque et tout, tranquille, enfin comme avant quoi. Mais ouais, fais des festivals un peu, tu verras, c'est bien, reviens, ressort. J'ai joué à des festoches. Il a joué à des festoches, ouais. Ah, dis-nous balance, en plus. Balance. J'ai joué à Azote. Ah! Ah! Vous le connaissez, hein? Ah! Voilà, c'était unique. C'était en 2014, je crois que c'était, je sais même plus. Et alors, j'ai une petite anecdote.
Ah, on adore. Ouais, parce que c'est généralement la date qu'il faut pas louper, où il faut que ton mix soit tout le temps bien nickel. Et à un moment donné, j'étais en plein mix et j'ai mon coude qui a bougé le pitch pendant le mix. Et ça a donné un petit coup de pression. Et je jouais en même temps sur la timetable, il y avait Armin qui jouait dans une salle et il y avait Androyel qui était sur la main stage. C'était un slot qui était un peu compliqué. Mais ça s'est très bien passé, très beau souvenir. Personne n'a rien entendu. Non, du tout. Et alors, si t'avais une petite anecdote à nous donner d'un truc qui t'est arrivé une fois en festival, un truc un peu fun, t'as un truc croustillant à nous donner ? c'est pas trop fun parce qu'en général, je me rappelle pas trop de la fin de mes festivals et de mes concerts. Mais t'inquiète, ça arrive même au meilleur. Bah, à part être tombé ivre-mort dans des festivals, pas beaucoup quoi. En vrai, je pense qu'un des meilleurs souvenirs, c'est une soirée avec Kreider à Miami, on m'appelle pour travailler là-bas. Kreider me dit non mais tu comprends, aujourd'hui je bois plus quoi, c'est fini, j'arrête l'alcool. 2 heures plus tard, il est au sol en train de se rouler par terre au milieu de la foule. C'était magnifique.